you can really fathom the deep. Vivre Christ. Yeah. Living Christ. Vivre Christ. Living c'est Christ. Quoi? What is it to live in? C'est à travers trois aspects de sa vie. It's through three aspects of his life. Le premier aspect. The first aspect. C'est par sa nature. Is through his nature. Sa nature. His nature. Quelle est la nature de Christ? What is the nature of Christ? Sa nature, c'est l'amour. His nature is love. Dieu n'a pas l'amour. God doesn't have love. Mais Dieu est amour. But God is love. L'amour produit nécessairement le sacrifice. And love produces sacrifice. Nécessairement. Absolutely. L'amour produit nécessaire. Si ton amour n'a pas encore produit des sacrifices, if your love hasn't produced any sacrifice, then you don't love. L'amour produit nécessairement le pardon. And love produces forgiveness. Et l'amour produit nécessairement la patience. And love produces patience. Voilà pourquoi Dieu est très patient avec vous. That's why God is very patient. Vous souvenez de la mukili ndenge ndigwana yemba de batanga yo pour Milan. Because that's why God is still patient. Because everything he sees it, but he doesn't stop you, he doesn't kill you. His grace. His grace. His grace. Uzza, qu'est-ce qu'il avait fait? What did Uzza do? Le fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils avaient fait? What did the two sons of Aaron did? Uzza avait seulement touché à l'arche. Uzza only touched the ark. Cadavre. And he died. Mais toi, tu fais des choses horribles. But you're doing some horrible things. Au sein de l'État, ce sont des crimes de 12 ans. Before the government, de 25 ans. You mais Dieu le voit. In prison for 12 years, 25 et years. Et il t'appelle encore, viens mon fils. God is seeing you, but he's still calling you to come to him. Viens mon fils. Come, my son. Donc, on ne peut vivre Christ qu'à travers son amour. So you can only live Christ through his love. Deuxième aspect. Second aspect. On ne peut vivre Christ qu'à travers son ministère. You can live Christ through his ministry. Les œuvres. Your work. Les œuvres. Your works. Bien-aimé. Beloved. Tu ne peux pas dire que tu ne peux rien faire. You can't say that you can't do anything. Christ. Christ. Est allé de ville en ville. Go from town to town. Proclamant l'évangile de paix. Proclaiming the gospel of peace. Tu peux aussi le faire aujourd'hui. You can still do it today. À travers ton argent. Through your money. À travers ta santé. Through your health. Et à travers tout ce que toi tu peux entreprendre. Through everything that you can do. Troisième aspect de la vie de Christ. Third aspect of Christ's life. Tu ne peux vivre comme Christ qui à travers son caractère. You can only live like Christ through his character. Qu'est-ce que le caractère donne? What does the character give? Christ était intègre et il est intègre et il sera toujours intègre. Christ was blameless and walked blamelessly and will always remain blameless. Quelle est ton intégrité, bien-aimé? What is your intention? La façon dont te connaissons ici à l'église, est-ce que c'est la façon dont les gens te connaissent dehors? The way we know you in church, is it the same way that people know you? Ou alors tu es double? Or are you double? Dès que tu sors de l'église, when you leave the church, tu portes un autre masque. You wear a different mask. Hypocrite. Hypocrite. Tu ne peux être comme Christ qu'à travers son humilité. You can be like Christ only through his humility. Quelle est ton humilité? What is your et la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Humility precedes goes before glory. Et tu ne peux vivre comme Christ ou vivre Christ dans ta vie qu'à travers son obéissance. And you can live like Christ only through his obedience. Et la Bible nous dit il a obéi jusqu'à accepter la mort par la croix. He obeyed to the cross to the point that he accepted the cross. The death of the cross. Alléluia. Amen. Vivre comme vivre Christ en 2016. Living Christ in 2016. C'est pourquoi bien-aimé, je vais terminer. That's how I'm gonna end, beloved. En prophétisant sur ta vie. By prophesying over your life. Christ est ma vie.
Christ is my life. N'est pas un slogan. It's not a slogan. Christ est ma vie. Christ is my life. C'est une réalité d'un vrai chrétien. It's a reality of a true Tout Christian. Vrai chrétien doit dire Christ est ma vie. Every true Christian must say, je n'ai pas une autre life. I have no en dehors de Christ, je n'ai pas une autre. Outside Christ, I have no life. Et en Christ, and in Christ, je suis sauvé. I am saved. Je marche dans la vérité. I walk in the truth. Je marche dans la gloire. I walk in the glory. Et je marche dans la victoire. And I walk in the victory. Si Jésus qui était dans la barque, if Jesus n'était pas troublé par la tempête, wasn't bothered by comment le Jésus qui est en toi sera troublé par tes zones de turbulence? Will be troubled by the zone, your zone of turbulences. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Jésus qui est en toi. The Christ, the Jesus who's in you. Il ne s'inquiète pas. He has no worries. Comment toi tu t'inquiètes sur tout? How can you be worried about everything? Même quand l'église, puisque l'église ici commence toujours doucement, il y a des gens qui sont déjà inquiets. Even when the way the church starts, there are people who are already worried about it. Qu'est-ce qui arrive aux antennes? How is this service gonna be? Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. He is in control. Il est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te lèves, bien-aimé, je veux dire des paroles sur ta vie. Lève-toi. Et le groupe peut monter. Le groupe peut monter. Nous allons vraiment voir si nous pouvons adorer ce Dieu merveillé par quelque chose, vraiment de très fin. Let us worship. Mais en attendant que Jésus puisse t'élever et croire réellement dans ce qui est en train de se faire. Il n'y a pas de sous-pasteur ici. There is no mais il y a la révélation de Dieu. But there is the revelation of God. La révélation de Dieu. The revelation of God. Nous avons la révélation de We Dieu. We have the revelation of God. Christ est notre vie. Christ is our life. Ferme tes yeux là où Close your eyes where you are. Ferme tes yeux là où tu es. Close your eyes where you are. Père. Father. Regarde ce peuple. Look at your people. Ils sont là. They are here. Puisqu'ils croient en toi. Because they believe in you. Ils sont là. They are here. Puisqu'ils veulent connaître Christ. Because they want to know Christ. Notre révélation de cette année. Our revelation of the year. C'est pourquoi. And that's why. J'ai dit, Seigneur notre roi, dans la vie de quelqu'un. I speak in someone's life. Aujourd'hui. Today. Tu ne seras plus la même personne à cause de Christ qui se révèle dans ta vie. Because of the Christ who's being revealed in your life. Aujourd'hui, today, si tu crois que Christ est le pain de vie, il change ta vie, marche dans la victoire, il guérit tes maladies, il domine dans ta vie, et il te donne la victoire sur tes montagnes, sur tes Goliaths, sur tes Jourdains, sur tes mers rouges, over your Red Sea. Ne sois plus triste. Don't be sad. Ne sois plus triste. Don't be sad anymore. Marche dans la victoire que Christ te donne. In the victory that Christ gives. Étends ta main. Raise your hands. Oh, yeah, Baba, so to go.